Hello à tous, je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes cadeaux de Noël comme vous me le demandez assez souvent. Cette année je me suis dit bon allez c'est parti, je vous fais une vidéo de mes cadeaux. J'espère que vous avez passé un très bon Noël et que vous avez été bien gâtés et que vous avez bien profité de votre famille. Donc je commence maintenant à vous montrer tout ce que j'ai reçu. Pour commencer j'ai eu ce sac Pokémon, donc avec des petits Evoli. Hop, comme ceci, c'est un peu le style des Lunchfly, sauf que c'est un Pokémon. Ensuite, j'aime beaucoup le foot et on m'a offert le maillot de Manchester United avec le flocage de Ronaldo. Je suis une fleur de l'ombre, du coup on m'a aussi offert le t-shirt de Ponce, donc celui des fleurs de l'ombre. J'ai également reçu un sweat de l'animé IQ, donc avec toute l'équipe dessus. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer correctement tous les produits. Je suis par terre et mon trépied ne veut plus se monter, du coup c'est un cadre assez réduit. Pour continuer dans les vêtements, j'ai eu une paire de baskets Mickey Mini. Donc, comme ceci d'un côté et comme ça de l'autre. Et j'ai également reçu une autre paire de baskets. Comme ceci. Ensuite, un jeu de PS4. Donc c'est un jeu de chansons style karaoké. Donc il y a deux micros à l'intérieur, plus le jeu. Un jeu de double que je n'avais jamais eu. Et c'est plutôt sympa pour jouer avec les petits cousins, quand on est à la maison, tout ça, tout ça. Ensuite, on commence à partir, toujours dans les jeux de société, mais dans le Harry Potter, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc, un premier jeu avec des questions-réponses. Et j'ai ensuite reçu, toujours en Harry Potter, mais cette fois, le Cluedo. J'ai reçu les deux livres également de Mina Lima. Donc, c'est des livres, c'est les livres Harry Potter, donc en français, moi pour moi. Et ils sont illustrés, il y a des petits pop-up, tout ça dans le livre. Donc je ne les ai pas encore déballés parce que j'ai peur de les abîmer. Mais si ça vous dit, dites-le moi en commentaire et je vous ferai des vidéos plus détaillées dessus. Donc ça c'est le premier et celui-ci c'est le deuxième. Pour l'instant il me semble que c'est les deux seuls qui sont sortis. Celui-ci est sorti assez récemment en octobre il me semble. Si vous voulez une vidéo avec plus de précision dessus, n'hésitez pas à me la demander et je vous la ferai. Toujours dans le même thème, alors j'ai reçu un porte-clés de Hermione. Des petits bonbons Harry Potter, mais ce ne sont pas ceux les Jelly Belly avec des goûts bizarres. Ceux-là sont très bien, c'est parfait. Et un jeu de cartes des animaux fantastiques. J'ai aussi reçu une boîte à musique qui fait aussi boîte à bijoux en même temps. Et des petites serviettes. Alors j'espère que moi, j'ai pas encore vraiment ouvert. Je ne sais pas si c'est vraiment des petites serviettes ou des petits torchons. Et à l'intérieur, il y a deux modèles. Donc le 9 3/4, grand comme ceci, et les petits 9 3/4. Deux dernières choses Harry Potter. Donc la première, je peux vous la montrer. C'est un grand panneau du Poudlard Express 9 3/4, donc c'est un panneau décoratif, pareil il tourne dans sa boîte, je vais pas l'abîmer, j'ai pas encore mon bureau, du coup je préfère pas le sortir du carton pour le moment. Et en autre cadeau que j'ai reçu une vidéo personnalisée de la part de Victor Crumb, donc c'est mon petit frère qui m'a offert ça, et voilà, c'était vraiment très très sympa. Donc on a fini pour le thème Harry Potter. Eu également une figurine de Shoto de My Hero Academia parce que c'est mon personnage préféré d'un de mes mangas préférés, donc voilà. Pour compléter ma collection, j'ai eu une figurine Toy Story. Et pour finir, j'ai eu un petit pack de plantation en fait, ça s'appelle L'herbe du jardin. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour faire pousser des aromates, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors,
je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, il y a les petits pots, toutes les graines et les petites ardoises, les petits drapeaux pour indiquer ce que l'on a planté. Donc voilà. Et bien sûr, j'ai reçu plein de chocolat. J'en ai même eu d'autres. Tout n'est pas ici, donc voilà. On va y aller doucement sur le chocolat. Donc voici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. Ça me fera très plaisir de savoir ce que vous avez reçu. Et je vous fais plein de bisous. Je vous reviens très vite avec de nouvelles vidéos pour repartir sur une année de DIY ensemble. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.